Bonjour à tous, et eh bien je vais faire une partie de test pour montrer et expliquer les mécanismes du jeu. Une partie de test de ce jeu, on va sur le scénario, le premier scénario en fait. Là actuellement j'ai fait trois scénarios, c'est celui que je n'ai pas encore réussi à faire en partie test. Donc on va voir si une fois filmé ça peut apporter quelque chose et ça peut m'aider. Donc le but de ce scénario en fait c'est de récupérer des éléments pour démarrer la voiture, c'est-à-dire des clés ou des roues, une batterie, des bougies en fait sur l'une des trois voitures. Une des trois voitures qui est présente dans ce deck. Donc on a la voiture bleue, la voiture orange, la voiture verte que l'on place dans ce petit jeu de cartes. On mélange. Voilà. Et je vais positionner ces cartes aux endroits marqués véhicules. Voilà. Donc à l'extérieur de la ferme. Donc sur la carte de scénario, vous avez un petit texte d'ambiance. Vous avez le setup et vous avez les objectifs et les actions spéciales. Donc l'objectif, c'est de collecter les objets dont on a besoin pour démarrer la voiture et s'échapper. Et donc pour démarrer la voiture, il faut qu'un intrus soit dans la zone d'un véhicule, donc orange, bleu ou vert, et il a les cartes qui correspondent à la voiture, c'est-à-dire les clés bleues par exemple, l'élément bleu et de la gasoline. Pour démarrer la voiture bleue, pareil pour orange, les clés orange, l'équipement orange et toujours de la gasoline. Et pour démarrer, et pareil pour le van vert. Ensuite, pour démarrer la voiture, on fait deux actions. Il faut dépenser deux actions pour lancer un dé. Si on réussit, alors la voiture démarre et tous les intrus qui sont dans la zone peuvent s'échapper. Si on rate, on peut réessayer. Donc voilà le scénario. Donc dans le deck d'objets que l'on pourra rechercher dans la ferme, on aura donc ces cartes de scénario. Donc vous voyez la clé bleue avec la bougie bleue, clé verte avec la batterie verte, clé orange avec la roue orange. Donc on a un deck de cartes, de base, on va dire, où on a tout un tas de choses. Je vais mélanger ces cartes. Voilà, on va bien mélanger. Le deck est composé de 20 cartes et on va dispatcher ces 20 cartes. Enfin, on va le diviser le paquet en deux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces 10 cartes seront rattaché au plateau, c'est-à-dire au rez-de-chaussée plus à l'extérieur, et ce deck de cartes sera rattaché à l'étage quand on cherchera à l'étage. Donc on démarre la partie avec nos deux personnages, les deux Stindy bleu et orange, dans le foyer. L'homme vieux, the old man, va démarrer dans la pièce qui s'appelle Pantry. Et d'autre part, nos personnages vont démarrer avec une carte choisie dans ce deck de départ, donc qui est le personal item, le deck de personal items. Donc, comment ça marche? On mélange le paquet. Je vais piocher 6 cartes. Et on va en piocher une par personnage. Donc je pense que je vais déjà prendre Flashlight, qui va permettre d'ajouter un succès lors d'une recherche. Donc je vais rattacher au personnage orange. Et je vais prendre les gants. On fait un bruit.
mais on peut passer à travers une fenêtre du rez-de-chaussée. Donc j'ai dit flashlight, la lampe torche, et les gants comme objet de départ. Et ça repart donc dans la boîte. On va mélanger les différents decks, donc le deck de blessure. Voilà. Le deck Desperation. Donc ça, ce sont des cartes que pourront piocher les héros au fur et à mesure de l'aventure. Et le deck Sawyer Family, qui sont des cartes que vont pouvoir piocher au début de chaque tour des méchants. Ils pourront piocher une carte. Alors d'ailleurs, la piste de panique, je mets mon cube sur le départ. Je pioche 4 cartes que je ne vais pas vous montrer, que je vais garder au niveau du... que je vais garder cachées pour vous laisser la surprise quand elles seront jouées. Parce qu'évidemment, dans cette partie test, je vais jouer à la fois les héros et à la fois les méchants. Donc ils partent avec 4 pions de peur également, qui vont permettre de jouer certaines cartes, qui vont jouer permettre de jouer les cartes. Je vous montre juste la structure d'une de leurs cartes. Donc on a un texte d'ambiance et on a donc lors du tour des héros, lors du tour des intrus, je les appellerai les intrus, on pourra jouer cette carte. Ou alors lors du tour Sawyer, donc des méchants, on pourra jouer ce qui est écrit dans le bandeau rouge. Donc là, par exemple, après qu'un intrus termine son tour caché, on peut dépenser 2 pions de peur pour élever le pion d'une case sur l'échelle de la panique. La piste panique. Voilà, par exemple. Donc voilà, je crois que tout est à peu près prêt. Je vais démarrer, j'expliquerai un petit peu les règles au fur et à mesure que je joue. Donc voilà, donc on démarre par le tour des intrus. Les intrus sont ici. Ah oui, non, j'ai oublié une petite chose. On a des pions horreur que doivent placer le joueur Sawyer, le joueur des intrus. Donc là, ce que je fais, c'est que je les mélange. Et pour me garder la surprise, je vais les piocher, je vais les placer au hasard. Donc, je vais en mettre un ici dans la salle à manger. Je vais en mettre un dans le bureau. Un dans la chambre de Leatherface ici. Il faut que j'en place 4. Et je vais en placer un ici. Dans le junkyard. Donc c'est parti. Je vais commencer par le personnage ici orange, la femme orange. Donc elle se déplace ici d'une case. Elle passe par une porte. Donc ça lui fait prendre ça lui fait faire un pion du bruit. Donc je pioche un pion bruit. Elle arrive ici, elle rentre dans la salle. Donc on retourne tout de suite le pion d'horreur. Donc slick. Donc je ne peux pas démarrer, je peux pas démarrer en courant dans cette pièce. Ok, donc c'est pas grave. On va faire une fouille. Donc quand on fouille, on génère encore un pion de bruit. Et elle va pouvoir lancer 2 dés pour fouiller. Une réussite. Et comme elle a la lampe torte, ça fait 2 réussites. Donc je pioche ici 2 cartes. Ah ben, ça tombe pas mal. Donc je vais prendre les bougies bleues. Et dans ces 2 cartes, l'autre, la deuxième, va repartir au fond du paquet. Ce qui s'appelle, le terme, c'est buzzy.
Donc le terme employé dans le jeu, c'est buzzing en gros. On renvoie la carte au fond du paquet. Donc vous voyez qu'il y a une pioche par niveau. Et quand on est amené à renvoyer la carte, une carte d'objet que l'on a dans le deck, on le renvoie dans le paquet qui correspond au niveau dans lequel se trouve le personnage. Donc là j'ai fouillé, je rajoute un petit pion, comme ceci, un petit pion de fouille, pour dire que je ne peux plus fouiller ici. On a 5 pions de fouille. Une fois qu'ils sont tous placés, eh bien, si on arrive dans un endroit qui n'est pas encore fouillé, le joueur méchant prendra un des pions de fouille sur le plateau et le déplacera sur le nouveau lieu qui aura été fouillé. Donc là, j'ai fait deux actions, il m'en reste encore deux. Donc je vais courir ici, je vais faire 1, 2. Quand je cours, je génère un pion de bruit. Voilà, et je vais encore fouiller pour ma dernière action. Donc je lance 2 dés. Donc j'ai 2 réussites, plus 1, ça fait 3, grâce à ma lampe torche. Donc je pioche 3 cartes. Il y a 10 cartes dans le paquet. Ah. Alors décidément, même quand j'ai mélangé le paquet, j'ai un paquet de cartes qui se sont retrouvées là. Donc qu'est-ce que je prends? Je vais prendre des clés vertes. Et ça retourne au fond du paquet. Ensuite, c'est au joueur bleu. Alors oui, comme j'ai fouillé, je prends un petit pion ici pour dire que j'ai fouillé. Mon joueur bleu, il va courir, il va faire 1, 2. Donc il a passé deux portes. Alors, j'ai oublié une petite chose. À la fin du tour du héros, on lance 2 dés. Et on peut défausser le nombre de pions bruit correspondant au nombre de réussites que l'on a. Donc là, j'ai 2 pions de bruit que je peux défausser. Par contre, il y en a un, celui qui me reste, va au joueur Sawyer. Donc mon personnage bleu, il a fait une action, il a couru, mais il a passé deux portes. Plus il a couru, donc ça fait 3 pions, 3 pions de bruit. Il arrive dans le bureau, et qu'est-ce que l'on a? Putride. Go back one space, you cannot enter this room this turn, remove this tile. Donc il y a des odeurs putrides, donc il ne peut pas rentrer dans cette salle, donc je retourne en arrière, et j'ai défaussé le pion. Et je ne peux pas rentrer dans cette salle ce tour-ci. Donc que vais-je faire? Je vais courir. 1, 2. Donc ça me génère encore 2 pions de bruit. Je cours encore une fois. 1, 2. Et je fouille. Donc là, je lance 2 dés. Deux réussites. 1 et 2. Donc j'ai des bandages et j'ai de la gasoline. Alors, pour pouvoir démarrer la voiture, il me faudra deux objets, j'ai oublié de le dire, deux objets de la voiture, hein, les clés plus une partie, plus de la gasoline. Donc, je récupère le pion gasoline et je mets les bandages ici. Et donc, il a fini son tour. Donc, c'est au tour Sawyer, donc on pioche une carte que je ne vous montre pas. Et je vais pouvoir activer The Old Man. Donc il a 4 points d'action. Donc je vais faire 1, 2. Et je vais jouer cette carte pour bénéficier de ce de ce de ce capaci de cette capacité. Donc j'ai un déplacement gratuit. Donc j'en suis toujours à 2. Pour une troisième action, je vais attaquer. Donc je lance 2 dés. Hein, c'est sur sa carte. Donc sa capacité d'attaque, c'est 2 dés. Par contre, il ne peut pas donner la quatrième blessure à un personnage. Alors 2 touches. Donc ce qui se passe pour gérer les blessures,
Je pioche deux cartes blessures ici. Et je vais en affecter une. Donc là, il faut que je choisisse laquelle. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci. When you start your turn in the same space as the survivor, lose one action. Donc ça, c'est pas mal. Et je mets l'autre carte sous le paquet. Donc voilà, une blessure déjà pour lui. Ah oui, tiens, ici, j'ai oublié de mettre un petit pion de fouille. Alors, donc pour sa quatrième action, je vais faire une nouvelle attaque. Pas de quartier. Trois réussites. Ah là là, ça commence très mal pour lui. 1, 2 et 3. Et donc je vais choisir une blessure au pied. Donc when you run, make one additional noise. Hop. Donc il en est déjà à deux blessures. Et je vais utiliser encore une nouvelle carte. Donc free attack action. Pour faire une nouvelle attaque. Et là, c'est complètement raté. Voilà, donc je m'arrête ici pour le tour Sawyer. Donc je remonte mon pion et on a fini donc un round. Donc nouveau tour héros. Je vais commencer par le personnage. Je pense qu'elle va, elle va aller fouiller en haut. On remarque en même temps, c'est un peu dommage de ne pas fouiller ici. Donc pour une action, elle se déplace ici. Pour une deuxième action, elle fouille. Donc je prends. Alors, ah oui, pour le tour d'avant, j'ai oublié de défausser les pions bruit. Donc là, j'en défausse deux. Et j'en donne trois au joueur Sawyer. Donc, je disais, elle se déplace ici. Deuxième action, elle fouille. Donc j'ai pris un pion bruit. Je pioche deux cartes. Et je tombe sur une machette ou sur une écharde d'os. Donc je pense que je vais prendre la machette. Puisque ça, cette carte, on peut la jouer qu'une seule fois. Après, il faut la... En fait, c'est pas Buzzy, c'est Burry. Je me suis emmêlé dans les termes. Donc, elle prend la machette. Petite précision aussi. Donc, je bury cette carte, je la mets au fond du paquet. C'est que les personnages ne peuvent transporter que 4 objets. Donc ça, c'est la deuxième action. On a fouillé. Voilà, maintenant, elle va courir. 1, 2. Donc ça génère un pion de bruit. Et 1, ici, elle passe la porte. Parce qu'on ne peut pas courir dans les escaliers. Donc ça génère un pion de bruit. Je lance 2 dés. Et il n'y a qu'un seul pion de bruit qui repart. Les deux autres partent au joueur Sawyer. Donc mon personnage ici, il est un peu embêté parce qu'il a déjà deux blessures. Donc c'est au joueur bleu, je le fais courir. 1, 2, il prend un pion bruit. Il passe la porte, il prend un pion bruit aussi. Ça fait deux actions. Il monte à l'étage. Et il va dans la chambre. Donc c'est au tour du joueur Sawyer, je pioche une carte. Et je vais jouer cette carte tout de suite, pour ce pouvoir qu'il y a en bas, dans le bandeau rouge.
Je peux dépenser 6 pions de peur pour élever l'échelle de panique de 1. Donc, je défausse 6 pions de peur. J'élève donc le pion de panique. Et je vois que ici, je peux piocher une carte d'Exploration pour le joueur orange, Donc, Nothing to lose. On pourra faire une attaque avec 3D, sans armes, ça c'est pas mal. Et puis pour le joueur bleu, Close Call, on pourra relancer des dés. Ok. Donc ensuite, il me reste encore 6 pions de peur. Donc je vais jouer une deuxième carte pour élever l'échelle de panique. Donc je joue mes derniers pions de peur. Et je relève encore ici sur l'échelle de panique. Donc vous voyez ici, j'en suis rendu donc ici. Donc je vais faire apparaître le grand-père, qui lui est sous forme de standee. Et donc je vais le placer dans le foyer. Donc ici, vous voyez qu'ici, premier coup, carte d'Esperation, je peux piocher. Ça veut dire one card, ça veut dire c'est le nombre de cartes que piocher au début du tour, que le joueur Sawyer peut piocher au début du tour. Donc voilà, donc ici on fait rentrer le grand-père et on en est toujours à une carte au début du tour. Donc, le pair, il va bouger de 1, 2, 3 ici. Et il va faire une attaque. Trois. Oh là 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 là. 1, 2, 3. Alors, je vais jouer cette carte. Votre main est limitée à deux cartes. Alors, ça, c'est dur. Parce que du coup, il va falloir que je me défausse d'objets. Parce qu'actuellement, j'ai les clés vertes et les bougies bleues et j'ai la machette. Donc je suis obligé de me débarrasser de quelque chose. Je vais me débarrasser de la machette, malheureusement, qui repart au fond du paquet ici, d'objets du rez-de-chaussée. Je vais jouer à nouveau cette carte. Donc, Free Attack Action. Donc, je lance encore 2 dés. Deux réussites. Et je vais prendre cette carte ici. When you receive this injury, bury one dispersion card. Alors là, je ne me fais pas de cadeau. Parce que quand je reçois cette carte, du coup, je défausse justement cette carte qui me permettait de faire une attaque. Voilà, c'est vraiment pas de bol. Et donc, voilà, c'est la fin du tour Sawyer. Je remonte ici. Et donc voilà. Je vais commencer par la joueuse orange. Et je vais la faire détaler. 1, 2. Donc elle court et en plus elle fait du bruit. Je vais faire 1, 2 pour une deuxième action. Donc elle arrive dans la zone de ce véhicule. Donc elle fait encore du bruit. Je retourne la carte. C'est la voiture orange. Je la fais encore courir. 1, 2 pour une troisième action.
Là, elle passe une porte, donc ça fait encore deux points de bruit. Et je la fais encore courir. 1, 2, pour arriver ici, ça fait un pion de bruit. Je lance 2 dés pour savoir de combien de pions de bruit je me défausse. 0. Donc ça fait d'un coup. Alors le grand-père, ici, lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il ne peut pas bouger. Et quand un personnage termine son un mouvement sur la zone du grand-père, eh bien le grand-père l'attaque avec un seul dé. Donc, le joueur bleu qui est là-haut va fouiller pour une action. Deux cartes. Donc là, je fouille dans ce paquet. Un. Donc j'ai une masse. Ou alors de la poudre. Donc je vais prendre la masse. Ici. Et je mets un pion fouille. Ça génère du bruit. Un pion de bruit. On va faire 1, 2, on rentre dans la pièce. Alors, ça me génère 3 pions de bruit, puisque la porte du grand-père, le palier et la porte de la chambre de Leatherface. Donc, passage secret. The sawyer player may move a sawyer to this room, remove this tile. Eh bien, oui, je vais déplacer le père ici. Je vais donc fouiller pour une troisième action. Ouh, 4 réussites. Ça, c'est chouette. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai les clés bleues. Excellent. Bon, mais là, il n'y a pas de choix possible. Je prends les clés bleues. Et je défausse les autres. Alors, je les défausse dans l'ordre que je veux. Donc, je vais mettre les bandages en haut. Alors, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on avait, il y avait les saucisses de barbecue qui permet de se soigner d'une blessure. Et si on lance un dé, ça augmente la piste de panique. La gasoline qui permet de mettre le feu à une pièce. Et puis donc les bandages qui permettent de se soigner d'une blessure. À soi-même ou à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors. Dernier point d'action, il va se déplacer d'une case ici, et donc ça génère un pion de bruit. Je lance 2 dés, je me défausse de 2, et j'en passe 3 au méchant. Je remonte les points d'action ici, et c'est au tour du Sawyer. Donc je pioche une carte, ah oui, je ne vous la montre pas, j'avais dit que je ne vous les montrais pas. Donc je vais encore jouer une carte ici, qui me permet de monter sur l'échelle de panique. Donc 6 pions, ce que j'ai, 6 pions de peur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'arrive ici au niveau Hitchhiker, toujours une carte. Donc là, je vais faire entrer le deuxième fils, enfin le premier fils, donc celui-ci. Donc je vous montre sa carte. Donc, il va pouvoir démarrer dans n'importe quel coin de extérieur, coin du plateau. Son attaque d'action, eh bien, il a un rasoir, il lance 2 dés.
creep, ils peuvent se déplacer d'une zone à travers les fenêtres du rez-de-chaussée. Et vagabond, quand il se déplace, s'il démarre à l'extérieur, il peut se déplacer de deux cases au lieu d'une seule. Voilà. Et il a trois points d'action. Donc voilà sa figurine. Et donc je vais faire démarrer à un coin. Donc je vais le mettre ici, par exemple. Donc voilà, ça c'était première chose. Eh bien, je vais l'activer. Donc pour un point d'action, il vient ici. Et il se déplace même de deux zones. 1, 2. Deuxième action, il attaque. 2. Alors, j'ai déjà une blessure à la main. Donc celle-ci, je ne peux pas la donner. Par contre, j'ai pas de blessure au pied, donc je vais la donner. Donc, moving upstairs or downstairs requires two actions instead of one. Donc, le joueur orange a 3 blessures actuellement. Donc, c'est 3 blessures. Et pour une dernière action, eh bien, il va réattaquer. Alors là, la mort est possible. Deux blessures. 1, 2. Alors la blessure à la tête. Donc là, j'ai déjà une blessure à la tête. Donc c'est 2 cartes. Je les défausse au fond du paquet. Ensuite, mon joueur, le père, lui, il va se déplacer d'ici pour une action. Et il va attaquer. Raté. Une deuxième attaque de réussite, 2 blessures au pied et il en a déjà une, donc il prend aucune blessure. Et dernière action, une nouvelle attaque, une blessure. Alors, c'est une blessure à la main et ça je peux l'affecter. Your item limit is 2 instead of 4. J'ai l'impression d'avoir oublié ici de mettre un pion de fouille. Ouais, je mets celui-ci. Donc là, ils ont tous joué. Je remonte leur cube d'action. Et donc là, je vais commencer par le joueur. Cette partie, elle va mal se terminer encore une fois. Joueur orange. Donc, rentre ici, génère un pion de bruit. Elle se déplace ici. Non, elle court même. Donc elle fait 1, 2. Donc ça fait au total 2 pions de bruit. Et on a le véhicule bleu. Alors là, c'est du bol. Ok. Bon, bah, elle va rester ici, elle va attendre son petit copain. Donc voilà. Oui, je fais qu'une seule action en fait. Donc un pion de peur affecté. Joueur adverse, le joueur bleu. Alors il descend l'escalier, il arrive dans le foyer. Ici, il y a le grand-père qui l'attaque. Lance un dé, il rate. Je vais faire une, deux. Donc là, ça fait deux actions.
J'ai couru, donc ça fait un pion bruit. J'ai traversé une porte ici, ça fait un deuxième pion bruit. Je continue de courir. 1, 2. Donc un pion bruit. Je continue de courir. 1, 2, ici. Donc j'ai passé la porte et j'ai couru. Donc voilà, fin de ces actions. Je lance 2 dés pour le bruit. Rien. Donc 5 pions de peur sont affectés au personnage Sawyer qui démarre donc son tour. Alors est-ce que ça va passer ou pas? C'est compliqué. Alors je pioche une carte. Alors je joue cette carte qui me permet de relever le niveau de panique de 1. Je dépense 6 pions de peur. Je monte de 1 sur l'échelle et là je vois que mes héros vont pouvoir piocher une carte Desperation. Mais par contre, le joueur Sawyer piochera 2 cartes Sawyer Family au début du tour. Donc une carte Desperation ici, Just What I Need. Donc j'ajoute 2 succès lors d'une recherche. Et je peux prendre un objet supplémentaire. Le problème c'est que ma main de toute façon du joueur orange est limitée à 2 cartes. Alors petite correction rapide. Mon joueur bleu en fait il revient ici parce qu'en fait ce que j'ai oublié tout à l'heure c'est que j'avais cette carte de blessure qui fait que quand je démarre un tour dans un même espace qu'un joueur Sawyer en fait il perd une action. Donc comme il avait démarré ici où il y a le père. Donc voilà. Donc ma deuxième carte Desperation pour le joueur bleu. Donc What is the noise? Donc pour le reste du tour, on fait pas de bruit. Ok, donc ensuite le père va descendre. 1, 2, 3, 4. Lui, hop, il a ses 4 actions de fait. Et je vais jouer cette carte pour lui faire faire un déplacement supplémentaire. Ensuite, l'autostoppeur, il va venir s'acharner sur lui pour une action. Il se déplace. Deuxième action, il attaque. Alors attention, la mort est imminente. Non, raté. Il fait encore une action d'attaque. Une réussite. Blessure à la tête. Et c'est une blessure qui me manquait. Le personnage est mort. Donc, je rappelle, c'est lui qui transporte les clés. Donc, je tourne, je renverse le standy du personnage. Et ben il va falloir que la fille orange vienne chercher les objets. Sachant qu'elle a déjà une blessure. Bon, puis là, cette carte, je pense pas que je pouvais la jouer. Donc, for the rest of your turn, you may reroll any number of dice once per roll. Bon, je sais pas si ça marche, ça. De toute façon, si je l'avais fait... Ah, oui. Bon, bref. Donc, tout le monde a joué. Maintenant, il faut que... Alors, c'est le joueur orange. On voit que le joueur orange, il faudrait qu'elle aille récupérer les clés
et la gasoline qu'avait le joueur bleu. Seul problème, j'ai une carte blessure qui fait que je suis limité à deux cartes objets. Donc je ne peux pas transporter les trois objets. Ce qui veut dire qu'il faut que j'arrive à me soigner. Faut que j'arrive à me soigner. Donc pour une première action, je vais me déplacer ici. Je vais fouiller. Pour une deuxième action. Trois réussites. Ça, c'est pas mal. 1, 2, 3. Alors, j'ai les barbecues, les saucisses de barbecue. Donc, je vais prendre cette carte. Ça tombe bien. Et donc, je peux m'enlever une blessure. Et je lance un dé. Je réussis, donc je n'augmente pas la piste de panique. Ça, tant mieux. Donc, je la défausse. Je m'enlève la carte blessure qui me gênait, là. Celle-ci. Et je vais tenter alors d'aller. Donc, je vais faire 1, 2 ici pour une troisième action. Donc, là j'ai cherché. Donc, ben, je prends par exemple ce pion-là ici, je le mets là. Swap. Donc, là je récupère les clés et la gasoline. La clé bleue et la gasoline. J'ai généré deux pions de bruit. Parce que j'ai couru, je suis passé à travers la porte. Et j'ai fini mon tour. Je lance 2 dés. Je défausse aucun pion bruit. Donc qui vont en tant que pion de peur au joueur Sawyer. Donc c'est au tour du joueur Sawyer. Je pioche une carte. Et là maintenant, ça va être le déchaînement d'attaque. Donc je vois pas comment je peux m'en sortir. Donc le père. Deux blessures. Une la main au bras, donc le bras, je peux lui affecter. Donc elle en a trois blessures. Comme le père ne veut pas infliger la quatrième blessure, il va utiliser Sweet Talk, donc ce pouvoir qui me permet de lancer 3 dés et ça permet d'ajouter d'autant de réussite le nombre de pions peur. Donc deux pions de peur. Donc ça, c'était sa deuxième action. Et il continue comme ça, troisième action. Et dernière action. Une. Ok, maintenant le joueur autostoppeur, il attaque pour un point d'action. Oh là là. 1, 2, 3. Alors, j'ai une blessure au pied que j'ai déjà, une blessure à la tête que j'ai déjà, une blessure à la main que j'ai déjà. Ouf, elle s'en sort. Mais il reste encore deux attaques. Une. Aïe, aïe, aïe. Et c'est l'attaque au cœur. Donc là, je me retrouve avec 4 blessures, une de chaque type. Et donc mon personnage est également mort. Bon, mais décidément, ce scénario, je n'arrive absolument pas à le réussir. Bon, et puis en plus, j'avais oublié de jouer cette carte. Mais bon, elle me. Donc j'ajoute 2 succès à un jet de recherche, de toute façon. Bon, mais voilà, donc je pense que je referai une partie de test sur un autre scénario, peut-être dans les prochains jours ou prochaines semaines. Donc voilà, je m'arrête là. On n'aura pas vu rentrer Leatherface. Donc lui, Leatherface, qu'est-ce qu'il a? Il lance 3 dés et il peut donner jusqu'à 2 blessures au lieu d'une seule. Et quand il tue un intrus, il pioche 2 cartes. On pioche 2 cartes. Et il a 4 points d'action. Dans sa version brutale, il a 5 points d'action, mais c'est les mêmes pouvoirs. En fait, voilà.
Bon, bah écoutez, si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les poser dans le fil de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt.